c'est baisé au niveau public. Public? Ouais. Tu vois par exemple cinéma, tout ça et tout? Ouais, de ouf. Ok. Là, je viens d'en faire une dans les toilettes, franchement, j'ai kiffé. Kiffé? Salut la team. Oui, c'est un placement de produit. Oui, je sais que ça vous fait chier. Oui, je sais que vous voulez vous arracher les cheveux. Mais c'est rapide, écoutez s'il vous plaît. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des petits compléments de revenus sur internet, j'ai un bon plan, il est tout nouveau. Donc, ajoutez tous Noémie sur Snap. En tout cas, en story, on va bien vous expliquer les choses. C'est marqué sur l'écran, vous la rajoutez et puis c'est tranquille, vous allez voir. Voilà, je vous laisse avec les vidéos. Salut tout le monde, c'est Mandavoli, Mandavanguru. Encore un technoparade, je connais. Là aujourd'hui, on demande du coup aux gens c'est quoi leur fantasme, ok? Dans le lien, il y a ma chaîne de coaching, tout ça et tout. Marrant, allez cliquer, c'est important. Il y a aussi la chaîne de Jacob, aussi musique. Allez cliquer, aussi c'est important. Allez les gars, fantasme, hein, c'est parti. Ok. Ouais, moi je m'appelle Mathieu, on est là. Bon, les gars, j'ai une question. Oui, oui, oui. C'est une question, on va dire que. Oh merde. Wow. C'est une question, on va dire que oser, c'est bon? Ouais, vas-y. Vas-y. C'est quoi vos fantasmes avec. C'est méchant. Est-ce que d'abord vous êtes en couple? Non, pas du tout. Du coup, on aurait une question. C'est quoi vos fantasmes avec les hommes en général? Dis la vérité, dis la vérité. Bah j'aime bien être dominée, enfin dominée. Pas violemment tu vois mais Vas-y, viens là non, toi, viens non. Dans le respect tu vois. Ah dans le respect, genre viens là mais doucement. Voilà. Mais tu vois qu'on voit l'homme tu vois. Ah qu'on voit un peu l'homme dominant. Ouais. Un peu comme 50 nuances de Grey. Pas à ce point là tu vois pas mais... Mais un petit peu. Et toi du coup alors c'est quoi tes fantasmes? Elsie? De quoi? T'es en couple. Ah oui. Du coup c'est une question osée. Dites-moi honnêtement c'est quoi vos fantasmes en général? C'est pas moi. Par exemple, un plan à 3, c'est pas dans un lieu particulier. Non mais si on a déjà fait le plan à 3. Ah bon, c'est non, bon. je rigole. Parle-toi d'abord. Non, en vrai, un fantasme. Ouais. Ça serait faire un peu genre dans toutes les pièces de la maison. Oh, pas mal. J'aime bien. Dans toutes les pièces. Toutes les pièces, à toi. Balcon, grenier, tout partout. Partout. Et toi du coup alors? Bah, je sais pas. T'as déjà le faire, ah oui. On va déjà le faire, voilà. Et toi du coup alors? Elle a déjà tout fait. On dirait pas comme ça hein. Elle a fait toutes les pièces, c'est vrai. C'est bien. Et aussi les lieux, plage, tout ça, hôtel, tout ça. Non, vraiment, au coucher de soleil au bord de la mer. Ça c'est beau ça. J'aimerais. Ah mais elle est romantique, mais bon après... On verra après. Bah, que, est-ce qu'on va dire qu'elle est romantique en général? Ouais, elle est archi romantique. Oh, ça va. Le problème c'est que j'en ai pas ça le truc, en vrai. À vous, un plan 5, un plan, je sais pas, un truc dans un lieu particulier, t'as bien un truc toi. Dis la vérité. Pas dans le cinéma, moi j'ai hâte. Dans le cinéma? Voilà, peut-être, j'ai hâte. Putain, moi j'aime pas ça. Hein, parce que imagine que moi je monte un film, j'entends des gens qui baissent derrière. Ah, je serais venu. Ah ouais, mais dur. Oui, après, ça dépend du film. Ça dépend. Voilà, tu vois. Bah, je veux pas aller voir des animés pour enfants. Voilà, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Tu vois, genre un film d'horreur, tu vois. Ouais, bah voilà. Comme ça, dire qu'elle crie, elle fait, ah, j'ai peur. Tu connais. Après, c'est le métier, tu vois. C'est le métier, tu connais. Tu connais. Toi, tu es charbonneur, je connais. Voilà, je sais pas faire. Fantasme. Ouais. Ah, d'être un fantasme. Ah, pour les hommes. Ah. Ouais, en tout cas, ça, un fantasme. C'est un autre chose. Fantasme, tu vois, sexuel, on parle. Ah, d'accord. C'est quoi ton fantasme? Et toi, du coup? Ben moi, j'en ai un qui est sorti il y a pas longtemps de ma tête. C'est quoi? C'est baiser une DJ pendant qu'elle fait un set live. Oh, c'est bien ça. Hein uh-huh. C'est pas mal ce qu'il dit. Hein uh-huh. Et toi, du coup? Pendant. Tu vois la boule là? La boule, ouais. J'aimerais être cette boule, ouais. Et de me faire baiser dans cette boule qui a toute l'énergie des vibrations d'amour et ah tout. Ouais, dans la boule, ah ouais! Bam, 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 bam! Bébé! Ouais. D'accord, ok, merci. Hein. Ouais. Les fantasmes. Dans quel sens? Érotique. Érotique? Ouais, d'abord toi alors. Mon fantasme érotique, ouais. C'est de baiser avec la femme Donald Trump. Ah, sérieux? Oui, je pense que c'est une vraie cochonne. Elle est jolie, hein? Oui, très jolie. Et toi, du coup, alors? Bah, moi, c'est de réaliser tous les fantasmes de ceux qui veulent réaliser un fantasme. Mais il y en a beaucoup, hein? Ouais, autant tu laisserais tous les réaliser, alors. C'est trop fort! Et toi, du coup, alors? Moi, ça serait de baiser sur le char là-bas. Oh, c'est bien ça! Ouais. Avec une belle vue. Avec une femme. Avec une femme aussi? Ah, ouais. Et pas un homme? Ok, d'accord, c'est pour ça. Eh, hey, il filme, hein, ouais, c'est pas pour émission. Et vous, monsieur? Vous allez bien?
Ça va ou quoi? Oui. C'est quoi ton fantasme? Dis-le. Aston. En prénom. Non, fantasme. Avec une femme. Avec une femme. Avec une femme. Dans un lieu particulier. Avec voilà. Avec monsieur. Ah volant. Voilà. Par exemple, dans un lieu particulier. Dans un lieu. Par exemple. Bah y a pas de mais lieu. Cinéma. Ouais, tes fantasmes chez les hommes. Comment? C'est quoi du coup ton fantasme en général avec les hommes du coup? Faut dire la vérité hein. Mon fantasme, bah déjà qu'il arrive à trouver mon point G, tu vois, ça serait pas mal. Oula. Donc ça tire à balles réelles hein. Ouais. Ok, d'accord, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein. C'est quoi vos fantasmes en général avec les filles? Moi, c'est 69. C'est pas vrai. Ouais, donc c'est tranquille, ça va. C'est pas un fantasme assez osé. Ah non, c'est mon kiff. Ton kiff, c'est ton kiff, ok. Et toi, du coup, c'est quoi ton fantasme que tu aimerais réaliser? Fantasme... C'est vérité hein. C'est baiser au niveau public. Public? Ouais. Tu vois par exemple cinéma, tout ça et tout? Ouais, de ouf. Ok. Là, je viens d'en faire une dans les toilettes, franchement, j'ai kiffé. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. C'est rapide, c'est rapide quoi. Bah, la meuf, après, je sais pas, elle était pas très bien, elle kiffait pas trop ça, mais. Ok. C'était qui la meuf? Bah, une meuf. Ok. Plan cul? Plan cul? Plan cul? Non. Ok. Meuf quoi alors? Ok, merci beaucoup. De rien. D'abord, dis-moi toi. Ok, mon fantasme, mon gars. Là, c'est filmé, là. Ouais, c'est filmé, c'est filmé. Eh, mon gars. Ah, mon fantasme. Aïe. Dis-le. Vas-y, nous on est. Vas-y. Eh, moi, vrai. Sincèrement, sincèrement. C'est toute gueule. Sincèrement. Deux magnifiques femmes. Oh, moi, c'est Nico. T'es bien, ça va? Ça va? En plus, c'est un mon gars. C'est quoi du ton fantasme? Ton fantasme, mon gars. On l'a déjà dit. Deux magnifiques femmes. Ah, c'est dans les toilettes. Deux magnifiques femmes. 23? Bien sûr. C'est la normalité. C'est la normalité. C'est une question existentielle. Ça brûle, ça. Toi, du coup? Deux raclis, pareil, frère. Pareil? Deux meufs, deux meufs. Toi aussi, pareil? Pareil, c'est la réalité. Deux meufs. Et toi du coup? Moi y'a rien. C'est quoi ton fantasme? C'est quoi ton fantasme? Viens vérité. C'est quoi ton fantasme? Dans un lieu particulier ou pratique? Souvent, très souvent, ouais. Genre, on va dire qu'un fantasme, c'est on va dire qu'un délire. Avec des hommes? Ouais. Un délire? Oui, par exemple, un lieu particulier. SM, c'est genre voilà. Ouais. Mais des SM, t'aimes bien? Un peu, ouais. Un peu. Le SM, ouais, de temps en temps, en club, c'est pas mal. Avec des cordes et des menottes? Ouais, menottes, cravage. C'est bien. Martinet. Ouais. On aime bien, ouais. Genre, c'est pas fouetté, tout ça, on kiffe. On kiffe, ok. Non, sans le respect, non. 50 nuances de gris, alors, vous aimez bien? Ouais. Non. Ah, attends pas. C'est de la merde, c'est pas un amateur. Non, c'est bien. C'est un BG. Moi, je trouve que c'est bien. Non, c'est de la merde. Moi, j'ai kiffé. Ça, c'est pour les gamines de 12 ans qui commencent à faire la merde. Non, mais c'est mec, pas mal. Ouais, moi, ça fait kiffer, perso, mais. C'est amateur, vraiment. C'est amateur. Ah, oui, c'est hyper amateur, oui. Mais. T'es connaisseuse alors? Ouais, un peu. Non, c'est pas mal, genre. Bah, moi, j'aime bien, perso. Hein. Okay. Mais elle est en train de filmer, là. Ouais. C'est pour quoi? C'est pour qui? Pour YouTube. Bah, yes. Voilà, YouTube. 51 degrés, c'est bien, ouais. C'est voilà, pas le mal. Dit, hein. Non, c'est pas bien. Regardez pas les filles, regardez pas. Mettez en commentaire si c'est bien ou pas. Mettez en commentaire, dites-le. Je sais pas, moi, je suis pas trop de fantasme. T'as pas genre un lieu ou un délire, tu vois, à plusieurs ou. Non, à plusieurs, pas trop. Pas trop, pas trop. Mais t'as vu dans des lieux un petit peu insolites. À droite, à gauche. À droite, à gauche. J'ai jamais fait, mais ça peut être sympa. Ok, donc ça, toi, c'est plus les lieux alors. Ouais, c'est ça. C'est les lieux, ok. Et du coup, toi, c'est quoi ton fantasme du coup? Je sais pas, plutôt à la plage ou un truc comme ça. À la plage? Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. La plage, c'est bien en vrai, les abonnés, c'est bien. J'ai jamais fait, mais ça peut être sympa. Effectivement. Y'a pas du sable qui vient dans les couilles un peu? Oh, c'est un peu chaud comme le sable, non? Ouais, j'avoue. Oh. Parce que le sable, ça va un peu partout, c'est un peu chiant. Toi? C'est bien. Non, mais c'est bien. J'aurais une question à poser. Vas-y. Est-ce que t'es pas posé en couple? En couple? Ouais. Ouais, avec le son. Ok. Voilà. Du coup, j'aimerais savoir c'est quoi ton fantasme avec les hommes en général? Franchement, déjà un pas à trois, ce serait déjà bien. Tu sais bien? Voilà. Y'a cinq. Ah, 5, allez, pourquoi pas, mais après le plan 3. Ah, c'est bien. Chaque chose en son temps. Ouais, comment tu prends après 5? Ton fantasme? Moi, j'aime les hommes, j'aime les femmes. Allez, pas les femmes. Y'a le feeling qui passe. Ah, le feeling, tu passes, toi. Le feeling, c'est bon. Parce que dans la vie, ouais, il faut sentir ces choses-là. Et les hommes, ouais, avec un grand H, ouais, ne savent pas sentir ces choses. Pourquoi? Toutes les choses. Mais pourquoi? C'est parce que l'homme, il est mécréant. Ah. Parce que l'homme, il est crédule. Et qui vit dans cette petite société, ouais, en se disant, je vis les trois boulots dedans. Mais putain, tout ce qui n'a pas lancé 5 et 5, c'est ça la putain de vérité, la putain de vie. T'as vraiment une bonne vibe, ça. Une bonne vibe. Moi, je te la donne, la vibe. Faut le dire, hein. Moi, j'ai que l'amour dans moi. C'est bien. Et je la donne. Je la donne. Soit tu la prends. Ouais.
Et donc du coup tu kiffes. Moi je la prends. Soit tu la prends pas. Ouais. Et du coup tu seras toujours malheureux dans ta vie. Eh ben, moi, malheureux si... Ouais. Moi je suis heureux. Parce que hein. Si tu vis sans amour, ouais. Tu ne vis pas. Oh, tu vois, sans lendemain, ouais. L'amour est le mystère de la vie, le destin de la mort. Naruto, il est où Sakura? Elle est où Hinata là? Bon, on l'a à la maison là. Un bras maison, on l'a à la maison, il y a mon collègue derrière toi là. Oh, Akatsuki. Bonjour. Naruto. Arrive Demaguru. C'est donc. Et mon gars, du coup, la question c'est, dis-moi un peu tes fantasmes avec les femmes. Ah, oh, ça marche pas trop. Hein. Dis-moi, genre un lieu particulier ou genre d'un bail, non, quand même? Non, même pas, gros. Vraiment, genre près des bains chauds, tout ça. Des bains chauds? Voilà, les bains donc, chauds. Donc lui, ça nomme à bains chauds. Ouais, Naruto, bains chauds, hein. Voilà, lui, c'est un mec des bains chauds aussi, genre. Allez, mon gars, passez une canne. Très bien. Voilà, merci. Mon gars, dis-moi, c'est quoi ton fantasme avec les femmes? Quoi? Ton fantasme avec les femmes? Un lieu ou un délire, dis-moi tout. Avoir plusieurs femmes. Plusieurs femmes? Ouais. Toi, t'es entier, toi? Entier? Non. Entier, d'accord, ok. De quelle origine? Bien essayé, je suis guyanais chinois. Ah, des chinois? Aussi, ouais. Oh, bien.